Bonjour et bienvenue sur les tutos de Fredo. On se retrouve pour un quatrième épisode sur le jeu Kona. Donc, je me suis renseigné un petit peu. Il faut qu'on aille voir ailleurs pour trouver le jerrycan pour avoir de l'essence. Donc, on va reprendre la voiture. On va aller voir du côté de la maison du Patriote un peu plus bas qu'on avait laissé à l'épisode précédent. Parce qu'il y avait pas mal d'indices qui indiquaient qu'il fallait qu'on aille Karl n'avait pas honoré sa ailleurs. réputation de fouilleur. Les richesses des terres de la motte lui échappaient Oui, complètement. je sais, je sais. Tata, les richesses m'échappent, c'est parce que je suis pas parti avec le motoneige. La motoneige. Il y a un truc là-bas derrière. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Je vais y aller vite fait. Il y a des choses là. D'accord. Non, je peux pas avoir une pelle. Ah, mon inventaire est plein, c'est pour ça. Tiens, ici je peux me réchauffer. Voilà. Il y a quelque chose là. Tiens. Les traces de loup. Ça je peux prendre, est-ce que la pelle je peux prendre? Non. Ok, je me réchauffe un peu. J'ai l'impression que la tempête de neige s'accentue. C'est peut-être moi en fait. Voilà. Je suis pas allé très très loin. Voilà. C'est par là que je voulais aller. On va suivre la piste de la photo. De forme de mon petit gars là. Tiens, c'est quoi ça? On dirait une grotte. Une caverne de glace. Oula! Ah non, ça va. Ouais, je vais garder la photo. Surveiller mes constantes, moi, parce que j'ai l'impression que... Le froid mordait à cet endroit plus qu'ailleurs. D'accord. Il sciait l'os, s'infiltrait dans chaque respiration pour doucement éteindre le cœur. Habillé ainsi, il fallait car que le Karl soit chaudement vêtu pour espérer survivre. D'accord. Moi, ça... Ça répond à ma question. Je peux pas venir la visiter maintenant. Ah, il s'est pas réchauffé du tout. Il y avait du feu chez le psychopathe là, chez le patriote.
semble que oui, mais c'est pas grave. Allez, on va aller ailleurs. Même si on voit pas grand chose. Voyons, je me prends toujours le truc au même endroit en fait. Ok, par là on va chez je sais plus qui. Et ça, ça avait déjà été fait, il me semble. Bon, on va aller faire les baraques là-haut, là. Il me semble que je les ai pas faites. S'il y a le jerrycan, ça sera par là-bas. De zone, donc ça charge, ça charge bizarrement, mais ça charge. Ok, donc là, hop, en face on a le magasin. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Karl. Ouais. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Carte pour savoir où on est. D'accord, donc il faut qu'on aille un peu plus haut. On va aller d'abord à droite. Il me semble qu'on l'avait fait à droite, mais c'est pas grave. On va aller d'abord à droite et après on ira à gauche. Ça, à mon avis, on peut le faire qu'en motoneige en fait. Ah, c'est chez Cloutier. Ok, je suis déjà venu ici en fait. Voilà. Si là c'est chez Cloutier, ça veut dire que on m'a destiné. Ouais. Donc là, je suis déjà venu. Et j'ai pas vu. Déglinguer cette voiture. Ok. Voilà. Ah, il y a une boîte aux lettres. Dans ce jeu, les boîtes aux lettres, c'est important. Et là, il n'y a rien comme par hasard. Mais à peine je prends la voiture, je commence à charger là, c'est pas normal ça. T'es sérieux, c'est la maison des Blais là? Parce que avec ce froid, Karl sentait déjà plus ses orteils. Ok, une bouteille vide.
tu sens peut-être plus tes orteils, mais... Une clé. Pour ouvrir quoi? Le cabanon? Ah. Carl n'avait pas le bras assez long pour l'atteindre. Il était assez inventif pour trouver un moyen de la sortir de là. Ok. Ah, bah voilà le bidon d'essence. En fait, il fallait que je prenne la... Ok. Donc là, je vais recourir dans la maison pour me réchauffer. Voilà. Et je vais aller fouiller le cabanon juste après. Ouais, c'est bon. C'est quoi ça? Ah, c'est les fusées éclairantes, d'accord. C'est la caverne d'Ali Baba, ce cabanon, là. Je suis content, j'ai trouvé le jerrycan, je vais aller le remplir. Et après, je vais aller voir pour la motoneige. Donc, là on est à la maison des blés. Faut que je fasse demi-tour. À gauche. Gauche ou à droite, je sais même plus. J'ai dit à gauche et je suis allé à droite. Non, c'est bon. Allez, on va aller remplir le fameux jerrycan. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentiment. Ouais, je sais, je suis au courant. Ils n'aimaient pas passer à côté de quelque chose.
se moque de moi, je crois. Voilà. Et je peux récupérer la bûche, c'est bizarre. Alors. Je vais aller voir les super toilettes. Il me semble que tout ça j'ai déjà fait en fait. Voir sur la carte où est-ce que je suis. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Il a froid encore. Mais ferme cette porte. C'est bon, maintenant il a chaud. Voilà. C'est un vrai temps bordel, on est au courant. Un peu le bazar pour passer. Hein. Apparemment, il faut que je m'habille beaucoup plus chaudement, mais ça traumatise personne. Parce que je suis passé devant quelque chose.
semble que je suis pas allé voir là-bas. Je pense que oui, mais bon, si jamais je préfère les vérifier, ça en est sûr. Ah, c'est chez le vieux, je crois. Ah si, c'est chez le petit vieux. Avec ça, avec son pétard. Hein. Si tu veux du lait chaud, parce que t'es habillé comme les gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. D'accord, donc il faut que je fasse du caribou et que je lui donne. Super. Ok. Je sais ce que j'ai à faire. Ok. Donc l'arme. Karl avait goûté là aux nourritures de l'esprit, mais il oubliait la réalité du corps. Un corps transi de froid dans ce dur hiver. Voilà. Allez. Hop. Et voilà, je me suis encore bourré de chemin, faut que je revienne en arrière. Oh là là, c'est pas possible, ça, c'est pénible. Chaque fois je me bouffe les mêmes. Tout simplement parce que je vais être trop vite. Hein. Voilà, donc la maison du patriote elle doit pas être loin, elle doit être là. Et on va voir comment on fait du caribou. Voilà. C'est fait, c'est nickel ça. Apparemment j'avais tout ce qu'il me fallait. Donc là faut que je retourne voir le vieux. Karl sentait sa mission accomplie, le démoniaque nectar sous le bras.
voiture, elle a fait un 360, j'ai pas compris. Là, on a une vraie doudoune apparemment maintenant. Bon, le petit vieux est content. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Ok. Bah, du coup, je vais aller voir dans l'espèce de grotte bizarre là. La cabane du vieil homme s'était montrée généreuse. Carl ne pouvait guère en demander plus. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a dans l'espèce de grotte là-bas. Non, c'est pas là. C'est juste devant le, chez le Patriote, voilà, c'est là. Hop. Là où j'ai eu peur, là, parce qu'il y a eu les loups qui sortaient. Je pense que c'est par là. Ouais, c'est juste devant. Le manteau, par bonheur, protégerait Carl des dents glaciales.
Là-bas, il y a un loup. C'est le marteau ne me sert à rien. Encore une fois, la glace magique avait frappé. Que faisait-il, celui-là, ainsi terrorisé sur le sol? Le mystère s'épaississait comme la glace. Alors avec grand peur une chose qui s'approchait, contre laquelle il ne pouvait rien, pour finir ainsi terrorisé et gelé. Ouais, carrément. On verra bien. Oui, yo. Carrément de la dynamite et tout. Bien que Régent était prêt à prendre les armes et à pourfendre des gens comme Hamilton, avait-il même commis un meurtre pour le compte de sa révolution? Qui donc avait été tué devant ses yeux? Pas de page suivante. Ouais. Pourquoi dormir chez toi quand on peut dormir dans une cave, c'est pas mal ça. Le perso, ouais, un peu. Bon, allez. Je vais lui mettre un peu de feu. Il a trouvé une carabine, le petit cochon.
ça va pas être évident. Carrément, je peux prendre la dynamite avec moi. Ah, d'accord. Ok. Bon. Ok, je pars là, c'est bon. C'est où il y avait le loup. Karl se sentit tout à coup épié. Une présence autour de lui commençait à l'inquiéter. D'accord, carrément. S'en prendre à moi, je ne sais pas, mais je pense que je suis assez loin là. Aucune pierre ne résiste au souffle de la dynamite. Ouais, la grande question c'est où est-ce qu'on est. Ok, on n'est pas très très loin. Pas super loin. Bon, je vais refaire un peu le tour de la grotte.
ça c'est bon. J'ai vu un autre trou dans l'autre sens. La glace semblait pousser en ces lieux comme une pourriture. Ce mur n'était pas là tout à l'heure. Comment allait-il donc sortir ? Apparemment, on a fait le tour de la grotte. Je vais aller vérifier là-haut s'il n'y a pas autre chose à récupérer. Déjà, on a récupéré le fusil qui nous a bien servi déjà dans notre jeu. Et bien sûr, la dynamite qui nous a ouvert le passage. Celui-ci, il est comblé. Allez, on va ressortir de là. Tranquillement, on va se mettre à l'abri dans la voiture. Et je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Voilà. C'est beaucoup plus pratique que de devoir sauter. La voiture doit être tout droit là pratiquement. Mais elle est pas très loin, elle est là. Ok, donc on va arrêter l'épisode là. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo et de la partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne louper aucune de nos vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.